Montaigu de Quercy, l'heure des grands travaux avec la place de la grille, la place de l'hôtel de ville du Gravier. On est à côté donc de l'église Saint-Michel et la mairie a pris une bonne initiative en présentant également juste à côté cette église et cette place au temps ancien, au 19e siècle, l'hôtel de ville, l'église et son clocheton qui n'y figure plus. Je vais vous remontrer avant la Première Guerre mondiale et l'histoire de cette église et de cette place. Donc vous voyez bien que le clocheton est absent. Quelques câbles, on se dit que peut-être il s'agit d'enterrer la fibre. Ce serait dommage de faire de grands travaux sans que la fibre passe. Je ne sais pas. En face, vous voyez le montant des travaux. Peut-être si vous voulez le chiffre exact, vous agrandissez. Et on a aperçu, oui, monsieur le maire, au début de la vidéo, si c'était pas prévu. Et il y a parfois des coïncidences de cette manière. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas l'interviewer, peut-être si je souhaite, pourquoi pas, s'il m'en fait la demande pour nous expliquer ce que sera cette place, puisqu'il n'y a pas, il y a bien une brouette, c'est la brouette de Montaigu, mais il n'y a pas de plan du futur de cette place, qui sera sûrement livrée, comme on dit, en 2021. 2022, oui, nous sommes en novembre 2021, si parfois je me perds dans les dates et vous aimez peut-être cette vue des maisons et de cette église et en même temps de cette rue qui descend avec de très nombreuses maisons à vendre. Bon, on va faire le tour, même si on ne peut pas passer vraiment partout, mais je vais essayer quand même pour vous montrer également. Finir par un plan sur l'hôtel de vue, à moins de finir par un plan sur un chat. Et oui, il y a même un chat qui se sauve et qui se rend à l'église. Non, peut-être, je ne sais pas. Voilà, on va terminer par un matin gris à Montaigu de Quercy un samedi. Un samedi soir sur la terre, si certains l'ont déjà dit. Et on va terminer près de la brouette, naturellement. Il faut toujours montrer les brouettes et je me suis reculé pour avoir une vue d'ensemble de la mairie durant les grands travaux. C'est des choses qui seront oubliées et les arrière-petits-enfants aimeront sûrement consulter cette vidéo, les arrière-petits-enfants des adultes d'aujourd'hui, pour voir comment c'était avant. Comment c'était avant, effectivement, c'était comme ça, ce jour-là. Ici, Tarn-et-Garonne, où je passe de temps en temps.